Hello, cool girl. Donc là on est bon, on va mettre la scène et on va partir sur du Steins;Gate. C'est ce qu'on fait. C'est comment dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la vie. Déjà il va falloir rattraper ça là, c'est la crise hein, les gens. Donc Steins;Gate, je le connaissais sous le nom d'anime en fait, je connaissais pas le jeu et je pensais vraiment pas que ça existait sur PC. Puis j'ai vu que ça existait. Bah, au bout d'un moment, quand t'aimes bien l'anime et que t'aimes bien, t'aimes pas juste bien, t'aimes vraiment beaucoup, énormément. Voilà, je pense que vous m'avez compris.
Est-ce que c'est live là? Est-ce qu'il y a un bug? Donc normalement on est live, donc on va partir sur ce jeu, voir ce que ça donne. On va partir. Alors je pense que je vais basculer en full screen du coup, parce que sinon c'est pas très agréable avec l'arrière-plan qui scintille tout le temps. On est parti. Ok, donc on va du coup commencer. Je sais pas si le son il est un peu fort ou pas. Vous pouvez me dire si le son est trop fort par rapport à ma voix ou pas. Alors je vais essayer de traduire en live. Même si les coïncidences sont je ne vais pas le perdre. La vérité et pas de la fantaisie enfant. Pour ceux qui connaissent, ils ont des images de l'anime là, concrètement. La moyenne des humains aperçoivent seulement 1% de son environnement. Nous ne sommes pas aussi intelligents que nous ne croyons. Mais c'est chaud là, ça parle. Ok, je vais laisser. Ne fais pas comme si tu ne l'avais pas vu. Fais plus attention. La main de la conspiration a toujours été plus proche que ce que tu crois. Juste attends le bon moment pour surgir. Ok. Donc là, est-ce que le son est mieux? Tu me dis si le son est mieux. Hein. L'univers a un commencement, mais il n'a pas de limite. Hashtag infini. Les étoiles ont un commencement, mais ils ont leur propre fin. L'épreuve d'histoire qui possède... Ouais, mais ça va trop vite. S'ils sont trop sages, ils vont être détruits. C'est ridicule pour un être humain de dépasser la vitesse de la lumière. Que aussi que pour un poisson de le vivre en dehors de l'eau. L'avertissement final de Dieu pour ceux qui se rebellent contre lui. Ok, donc nous commençons Steingate. Ok, je pense qu'il y aura beaucoup de. Comment dire. Beaucoup de trucs via l'anime. Ah. Mais cette voix, je la reconnais. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire en gros? Y a pas de son du portable. Juste du silence. Ok, là j'ai assez diminué ou pas, tu me dis hein. Oui. Alors, je vais voir ce qui se passe. Ah. Ok, Lynn, ici, la Terre. Ah, il y a une fille qui est en face de moi. Elle m'appelle par mon nom. Nous allons nous infiltrer en territoire ennemi. Même s'il y a beaucoup de risques et... Et qu'est-ce qu'il dit? Même s'il y a beaucoup de tension et son innocence d'enfant, je couvre mon téléphone. En gros, je range mon téléphone et je me tourne vers la fille. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un?
Donc je remets mon téléphone près de mon oreille et toujours rien du tout. Il y a toujours rien. Peut-être que toute la zone est buggée en fait. Non, je parlais à quelqu'un. Tout va bien. Je suis sur le point d'infiltrer le hall de l'Assemblée. Toujours pas de réponse. Toujours pas de réponse. Hein. C'est la crise. Je pense qu'ils veulent juste mon rapport. C'est dangereux de perdre du temps à parler ici de toute façon. Ouais. Le docteur Nakabashi. Il y a docteur Nakabashi qui va nous rendre visite. Enfin, qui nous rend pas visite, mais voilà. Qui va nous dévoiler. Qui va tout nous dire, quoi, en gros. Alors, ok. Quoi? L'organisation est déjà sur le coup? J'ouvre mes yeux et. Et je suis Kécho. Et la fille se tourne et elle est surprise. Je suis un peu étonné. Et si. Alors, comme ça, c'est le choix de Steingate. El Psy Congro. Très bien. Ok, j'ai dit ces mots, puis j'ai rangé mon téléphone. Steingate, les gens le connaissent comme le destin, les autres le connaissent comme la volonté de Dieu. Tu peux compter dans un sens aux gens dans ce monde qui savent sa vraie nature. Ah, c'est difficile de régler. Alors attends, je vais augmenter un peu. Je vais mettre à 30%. Tu me dis si on entend bien ou pas. Voilà, tu me dis, hein. Peu importe, nous devons commencer l'infiltration. Nous devons aller à la station de radio Kaikon. C'est juste près de la station de train. Après! Avertissement, je pense qu'il y aura beaucoup de papotage. Concrètement, il y aura beaucoup de papotage. Hein. En fait, je pense que ça nous refait l'anime en jeu où on aura quelques choix, je pense. On pourra décider quoi faire. Donc, il y aura beaucoup de textes. Hein. Il n'y aura pas beaucoup d'action et puis c'est normal. Ah, mais je sais c'est où ça. Alors. Bah, je vais continuer la traduction. Hein. Bien sûr, si là c'est le territoire ennemi, je peux pas passer la porte juste comme et faire comme si comme une personne normale. Alors je vais traverser les escalators et monter les escaliers jusqu'au 8e étage avec bah, les escaliers en gros. Bah, je suis arrivé uniquement au 7e et puis je me suis reposé. Voilà. さっき携帯で誰と話してたの？Là, je me demande si c'est la même actrice en fait qui fait sa voix. Donc elle l'a dit, je me demande qui est-ce qui était au téléphone. Il parle au cabinet de tout à l'heure, j'imagine. Alors, la fille Shina Mayuri, comment dire, elle a reparlé de notre conversation et elle m'a suivi tout le long jusqu'ici. Et elle n'a même pas beaucoup, elle a même pas eu le temps de respirer. Moi, dans un autre sens, moi j'étais épuisé. Qui aurait pu traverser je pense c'est 8 étages et être si grand. What? J'ai même pas compris. Je n'ai même pas compris. Très bien. Je me retourne vers Mayuri. Si je te disais que je devais te tuer. Oh. Wow. Merci Okali. What? Pour les gens qui connaissent pas, c'est un peu what the fuck. Hein.
C'est un peu what the fuck. Mayuri, du coup, elle a lâché un petit sourire et elle a bah, rien fait de plus. Comme toujours, elle comprend mal ma situation, ma position, je pense. Ah. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Mayuri, elle a 16 ans. Elle a 2 ans de moins que moi, quoi. C'est comme ma sœur d'enfance, quoi. C'est comme ma sœur. Bah, j'ai toujours été là pour elle, de ce que je m'en souvienne. J'ai toujours espéré que Mayuri soit la clé du Steingate, mais maintenant je reconsidère ça. Je reconsidère ça. Donc là, je voudrais savoir si le son est bon. Donc voilà. Je ne voudrais pas un tel destin terrible pour elle. Elle devrait vivre une vie normale. C'est mon souhait actuel. Et ça, c'est mon souhait actuel. Ok, donc là, j'imagine. Ah! Donc là, pour ceux qui connaissent, c'est là où il va y avoir la conférence. Hein. Donc nous avons continué jusqu'au 8e étage et nous sommes rentrés dans le hall d'assemblement. En face de nous, il y avait un truc cheap, un truc vite fait et un petit stand, quoi. Et on peut voir Dr. Nakabashi's la conférence du voyage dans le temps, tout ça. En gros. En gros, en gros. Voilà. Okaline, Okaline. Qu'est-ce qu'il dit? Elle insiste pour m'appeler Okaline, mais pourtant c'est pas mon vrai nom ou pas mon nom de code. C'est juste des petits surnoms que les gens utilisent, quoi. Combien de fois je dois te dire ne m'appelle pas Okaline? Hey, mais je t'ai toujours appelé comme ça. C'était avant. Maintenant, je suis devenu Uin Kuma, the Mad Scientist. Hanté par le secret des organisations dans le monde. Mais juste là, en fait, les dessins sont plutôt stylés. Hein. Je crois que c'est pas exactement la même chose que ceux de l'anime, mais je le trouve vachement bien fait. Parce que je sais pas comment dire, mais c'est cet effet là, par exemple sur les cheveux là, c'est assez joli. Moi j'aime bien. Mais c'est trop dur de s'en souvenir. C'est trop dur. Eh oui, bah là c'est Okabe, tu connais, tu sais bien. Quoi qu'il en soit, Owen Kuma, c'est mon vrai nom. Et puis, on dirait même pas Okabin Rintaro. Tu es bizarre. Arrête tes rires d'insolent. Okabin Rintaro peut être mon vrai nom, mais je l'ai rejeté. Parce que c'est stupide. Et je déteste aussi le dérivé. Et j'aime pas non plus le dérivé Okarine. On dirait que c'est comme un elfe. C'est un truc d'elfe. Alors, Okarine, est-ce que je peux te demander quelque chose? Non, c'est vraiment bien fait. En plus, quand elle parle, il y a la bouche qui bouge. Genre, comme en vrai. Ça rentre dans une oreille et ça ressort de l'autre. Elle m'appelle comme ça depuis 5 ans maintenant. Je devrais peut-être abandonner. Qu'est-ce qu'on fait ici? Attends, tu m'as suivi jusqu'ici sans savoir pourquoi? Oui. J'ai bien le yep. Yep, easy.
Elle le dit de manière toute souriante, quoi. Docteur Nakabachi no kishakaiken da. Là, on est là pour la conférence de Dr. Nakabashi. La conférence de presse, bon, on a compris. Donc, on attendait ici. C'est là que aura lieu la conférence, justement. Le Dr. Nakabashi, c'est un inventeur. Il est apparu à la télé de temps en temps. Et il y a quelques trucs. Il connaît quelques trucs, quoi. Il est traité comme quelqu'un de bizarre, quelque chose de pas conventionnel. Une conférence de presse. Mais où sont les gens? Elle a raison. J'ai scanné toute la pièce, tout le hall et je vois personne. Caméraman ou journaliste. Et il y a à peu près à peine 10 personnes, incluant moi, dans le hall. Ah. Bah, considérant que Nakabashi est quand même apparu de temps en temps dans les médias, en plus le fait qu'il ait dit qu'il avait inventé la machine à voyager dans le temps, j'aurais espéré un peu plus de monde. Serait-ce le travail de l'organisation qui sont en train de foutre la merde un peu? Moi je pensais que Dr. Nakabashi était comme moi, un scientifique qui se bat contre l'organisation. Mais cette conférence... suggère d'autres motivations pour notre travaux et nos ennemis ne vont pas manquer cette chance. Je préfère ne pas intervenir dans ce qui va se passer, mais je suis tout de même intéressé dans ce qu'il va nous dire. C'est pour ça que je suis ici sous un précieux après-midi d'été. Elle va me dire quelque chose. Tu as fait quelque chose. Et c'est également son anniversaire. Je l'ai fait trop mal. Ah, je regarde. Elle est... Mayuri, elle est comment dire. Elle est connue pour faire des blagues de merde, mais aussi à rire dessus. Bon, voilà, c'est à peu près. Elle a toujours été spéciale. Donc, ne baisse pas ta garde. Je pense que ça sera pas une conférence normale. Ah, je n'ai même pas fini ma phrase. Est-ce que nous sommes attaqués? Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de nous mettre une onde électromagnétique pour nous défoncer le cerveau? En gros, c'est ça. Ah, je crois qu'on a entendu quelque chose. Alors, il y a de la poussière qui tombe du plafond et le bâtiment tremble. Je pense que nous sommes sous attaque ennemie. Ça vient de là-haut. Mais pourtant, on est déjà tout au-dessus. Alors ça, c'est même au-dessus encore, en gros. Ah. Un séisme. C'est de magnitude 2. Qu'est-ce que ça veut dire, magnitude, déjà? Elle est trop mignonne quand elle dit ça. Pas le temps de traiter la confusion de Mayuri. Quelque chose ne va pas. Je sors du coup de la salle et je cours en haut de l'escalier pour voir ce qui se passe. Ah, la porte s'ouvre. Je regarde à travers la petite fente et je vois que
que la serrure a été cassée. J'ouvre la porte et je vois un espèce de nuage. D'écran noir. Un truc phosphorescent qui se passe dans l'air. Une explosion ? What ? J'y crois pas. Il y a vraiment une explosion. Mon cœur bat très vite en gros. Putain, je sais pas quoi faire. Le mec, il est perdu. Est-ce que je devrais vraiment fuir ? Mais il y a une explosion, c'est peut-être des terroristes. Non, ça n'a pas de sens. Non, vraiment. Ami, je veux dire, comment tu veux expliquer ça ? What ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je me demande bien ce que... Non, là, c'est moi. C'est what the... Mais qu'est-ce que... C'est une machine bizarre, là, qui est installée au milieu, là. C'est énorme ! Ça doit faire 3 mètres de long. C'est comme un genre de satellite. C'est-à-dire que c'est ça qui a fait que... Qui a causé tout le tremblement, là. Mais qui l'a mis ici ? Est-ce que c'était Dr. Nakabashi ? Est-ce que ça fait partie de sa présentation ? Impossible ! Impossible, même si c'était le cas, comment il aurait pu... Ça aurait pu atterrir là ? Comment il aurait pu le mettre là, quoi ? Ma tête est submergée de questions. Quand je cherche le courage de m'en approcher... Et du coup, il y a tout le monde qui est arrivé. Ils sont tout aussi confus que moi. Restez derrière, s'il vous plaît. Alors, une femme, ça doit être le staff, et qui veut nous dire de reculer. La conférence de presse va se passer comme prévu. Est-ce qu'elle est en train de nous cacher quelque chose ? Sa réponse était vraiment rapide et elle voulait juste m'éloigner de cette machine. Est-ce qu'il nous cache quelque chose ? Qu'est-ce qu'était cette explosion ? Je voudrais savoir. Je ne devrais pas prendre autant de risques. Du coup, je me suis retourné et je suis parti. Mais pas parce que je suis effrayé, hein. C'est pas ou quel que soit le truc. Donc du coup, le staff nous a dit de retourner au 8e étage. Mayuri, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Et j'ai pas l'impression qu'elle soit dans le hall du truc. Alors, mais je l'ai retrouvée au 7e étage. Ah, il y a des capsules, des machines de capsules à côté avec un truc. La naissance du PC japonais. Ok. Oui, c'est vrai. Dans l'anime, ça s'était écrasé dans le bâtiment et ça s'était même cassé. Alors, est-ce que... Ah, mais de ce que j'ai compris... Alors, ça ne suit pas exactement comme l'anime, mais ça suit après l'épisode... Après l'épisode bêta, de l'épisode 23 bêta en fait. Mais c'est pas sûr étant donné qu'il y a plusieurs versions. Bah du coup c'est plutôt une bonne nouvelle si ça suit pas du tout... enfin si ça suit pas exactement la même chose que la narration. Donc là elle est en train... Ah. Il y a eu un petit souci. Du coup je sors mon téléphone. C'est moi. J'ai un mauvais pressentiment. Quelque chose va se passer, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Ouais, je sais. N'aie pas peur. Je ne vais rien faire pour le géopardiste de la mission. Psaïkongro. Mais c'est trop dur de travailler. Voilà. Après avoir dit ces quelques mots, je me lève. Enfin, je mets... Bon, je me lève un peu ma tête. Ma veste est froide. La moitié de moi espère que quelque chose va se passer. Mais mon autre moitié, en fait... Mais l'autre moitié a peur. A peur de ça.
Donc je mets à côté mon téléphone et je regarde Mayuri. Elle est toujours en train de regarder ses petits capsules de jouets là. Mais elle a pas l'air d'avoir peur de l'explosion, mais du tout, genre pas du tout. Je sais pas si elle est juste en gros elle sent froid ou juste elle a la tête en l'air. Mais qu'est-ce que tu fais, Mayuri? Hein? J'aime bien la musique qui a changé direct. C'est genre en mode peace. Hein? Bah, j'aimerais bien avoir un opa. Enfin, un opa. Je crois que dans l'anime, elle dit la même chose. Comme, c'est bien ce que je croyais. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est mignon ces trucs. Elle a pointé son doigt vers une petite machine de capsule et sur l'étiquette, il y a marqué Renet Carreroux 3D, en fait une série de jouets quoi, de poupées jouets, comme ce que vous voyez sur l'image là. C'est un anime populaire avec ses propres cartes de jeu, bah, plein de trucs quoi en fait. Et Oupa, c'est la série de mascottes et ça ressemble à un genre d'œuf en fait. Ouais, c'est ça, c'est un genre d'œuf de chien œuf bizarre à déformer. C'est ce qu'on appelle un un moche joli, un personnage moche joli. Après les filles dans les écoles supérieures les trouvent adorables pour une raison. Et l'année dernière il y avait c'était un genre de grenouille moche qui faisait fureur. Et le nom je ne m'en souviens plus. Bah vas-y. Mais je ne te garantis pas que tu vas avoir ou pas hein. Mayuri me donne un sourire troublé. Mais Mayushi, il me reste plus que 100 yens. Mayushi, c'est comme elle s'appelle elle-même parfois, comme ça en fait. Selon elle, il y a normalement une petite étoile. À la fin de Mayushi, mais qui tout le monde s'en fout quoi. Alors, je peux t'emprunter 100 yens s'il te plaît. Donc elle le regarda avec des yeux trop mignons comme un petit toutou, lui suppliant en fait de lui prêter de l'argent quoi. On dirait qu'elle a planifié ça depuis le début. Mais oui, c'était prévu tout ça. Bon. Au moins, elle m'a pas supplié avec le gimmi. Alors, tu crois pas que c'est un peu facile, Mayuri? Tu n'auras pas d'argent de moi. Mais à la place, je vais te montrer comment la vie, à quel point la vie est dure, en gros. La vie est dure ou injuste, je sais pas. Donc j'ai sorti 100 yens et je l'ai mis dans la machine et j'ai tourné le levier. Ah. J'ai ouvert le capsule et j'ai retiré le contenu. Du coup, elle est venue voir Mayuri et est venue voir ce que j'ai eu. Oh mon dieu! C'est un oupa! Et c'est en métal! Un métal oupa, merde! Putain, je crois que c'est rare! C'est rare? Super rare! Ouais, je crois que c'est rare. Pour le moment, tout se passe comme. Pendant que j'examine le oupa métal. Il y avait un petit garçon qui nous regardait en fait pour tenter sa chance, qui nous a regardé, il veut tenter sa chance en fait dans la même machine. Ah, je crois que lui il est déçu. Ah, un opa normal. La déception.
Il a regardé avec, mon métal ou pas avec beaucoup de jalousie, on va dire. Moi, je me suis tourné vers Mayuri avec, avec ses yeux qui fixaient le ou pas, mais violemment. Et quand la fille là, tu es en train de te comporter comme une gamine. Je te donne cette petite crème. Putain, elle est magnifique cette image là. C'est trop stylé. Ouais, c'est trop stylé. Donc en gros, bah, il lui donne le Oupa de métal, Mayuri. Honnêtement, je ne le voulais pas. Vraiment? Tu es sûr, Ocaline? Le prénom, c'est Austin Kyoma. Merci, Ocaline. Ouais. Mais c'est ça qui rend, je pense, Mayuri peut-être attachante. C'est son petit côté peut-être innocente. Voilà, c'est son côté innocente et tout le temps souriante. C'est ça son charme aussi, je pense. Ça fait partie de son charme. Alors, est-ce qu'elle fait ça exprès? Merci tout le monde d'être venu à la conférence de presse de Dr. Nakabashi. Oui, t'attendais, mais alors, si on est comme dans l'anime, shit, je vais pas spoiler, mais voilà, merde, on s'approche d'un événement là. Shit. J'ai entendu l'annonce. À l'étage supérieur, on dirait que ça va commencer. Donc on va monter les escaliers. Ouais. Donc je monte l'escalier, mais Mayuri ne m'a pas suivi. Allons-y, Mayuri. Juste une seconde. J'écris mon nom. Elle est un peu préoccupée avec son Oupa de métal. J'y vais d'abord, du coup. Mais il le faut. Et peut-être qu'on pourra faire quelque chose, on pourra intervenir. Nous ne sommes pas juste spectateurs, nous sommes a priori acteurs ici. Donc nous ne savons pas ce qui va se passer, on va voir. Donc moi, bon, là, je vais continuer. Donc là, Ocaline, il est monté tout seul. Sans plus, j'ai le plaisir de vous introduire Docteur Nakabashi. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Nous allons l'applaudir. Donc, le Docteur Nakabashi entre sous l'applaudissement des gens. Et il va sur le genre de poutre devant, là. Je peux sentir son irritation d'ici. Je suis Docteur Nakabashi. Thank you d'être venu. Merci d'être venu. Mais il est super, vachement bien dessiné. Il a une sale gueule dans l'anime. Là, il est stylé. Hein. Putain, mais c'est trop bien dessiné. Donc, Nakabashi prend le micro et il commence à parler. Et sa voix résonne dans la salle. Et maintenant, mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer avec ma théorie du voyage temporel. La meilleure découverte d'un scientifique, la meilleure découverte scientifique du siècle. Elle a une mini, elle est trop mimi comme ça. Oh la my god, la tête, mais ça ferait un fond d'écran ce truc. C'est trop mimi. Est-ce qu'il a vraiment construit une machine à voyager dans le temps? Mayuri est apparue après avoir écrit son prénom sur son métal ou pas. Elle est un peu en retard, mais que moi, mais qu'est-ce qu'elle croit que ça soit une présentation de voyage temporel? Je regarde du coup autour de la salle. Il y a à peu près 20 personnes, nous inclus.
Du calme, du calme, pas encore, ça se passe pas encore, ok, on va rester calme, on reste calme, ok, on reste calme. Non, là on fait comme si on savait rien, tu vois, là on est des innocents, on vit le truc, voilà, live. Donc je disais, là il y a une vingtaine de personnes, nous inclus, donc toujours pas de présence de médias, de journalistes ou de caméramans ou quoi que ce soit. Et du coup, en fait, c'est parce que, en fait, par rapport à sa réputation, en fait, de Nakabashi, il y a personne qui croit qu'il a inventé une machine à voyager dans le temps. Alors, j'étais intéressé par ce qu'il disait, c'est vrai, mais mes attentes n'étaient pas très élevées, quoi, en gros. Voilà. Et la bonne chose, c'est qu'il n'était pas comme... Ah si, Proceeding Time Machine. Quand il commence à expliquer le design de sa machine à voyager dans le temps. Mais ma curiosité a tourné à la déception et ensuite à la... Comment dire, il était un peu énervé, quoi. Docteur! Bon, mon cri a rendu Nakabashi silencieux et j'ai attiré l'attention de tout le monde. Ce Baka aussi. Est-ce que vous nous prenez pour des idiots? Mais qui es-tu? Qui je suis? Quelqu'un qui sait que vous êtes une fraude, un imposteur. Vous avez volé cette théorie à John Titor et vous osez vous appeler inventeur. Quelqu'un jette cette personne dehors, s'il vous plaît. Vous êtes la personne qu'on doit jeter dehors. Vous n'avez aucune honte. Vous n'avez pas le droit de vous appeler inventeur. Tais-toi, petite peste. Ensuite, quelqu'un m'a attrapé par derrière et voilà, je... Quoi qu'on vient de signer ça. En fait, c'est un mec qui veut le jarter, quoi. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Et hey. Toi? Oh my god! Mais qu'avons-nous là? Mais qui c'est? Ah, je crois que ça se passe pas vraiment comme ça hein, dans l'anime. Il me semble que ça se passe pas vraiment comme ça. C'est une fille de mon âge. Holy shit, on s'approche. Hein. Je crois qu'on s'approche. Son regard intense, on dirait qu'elle a envie de me défier. Je fais un pas en arrière. Sa tête m'est familier. Est-ce que je l'ai déjà vue quelque part? Oh. Ah. On s'est jamais rencontré, mais je connais sa tête. C'est Makis Kurisu. Quelques jours auparavant, mon ami Daru m'a montré un magazine avec intitulé une super brillante fille en gros à Akihabara et ça il y a un article qui parle d'une fille de 17 ans qui a été promue d'une université américaine et sa thèse a été même publié dans un gros journal scientifique. Une génie, une fille génie, Makis Chris. J'ai reconnu le... The Stubborn Looking Girl, oui, elle a reconnu quoi en gros. Elle est exactement, elle porte exactement la même chose que sur la photo.
Quel genre d'affaire est-ce que ce genre de génie pourrait avoir avec moi? Elle regarde autour de la salle et puis elle se tourne vers moi avec une expression consternée. Pouvez-vous venir avec moi un instant? Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Elle fait pas partie du staff et il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que cette Makise Kurisu pourrait travailler avec quelqu'un comme Docteur Nakabashi. Ça veut dire non. Tu es avec l'organisation. Hein? Si leur strat est allé aussi loin, j'aurais fait une grave erreur. Arrête de dire des idioties et viens avec moi. En gros. Et le Nakabashi, en fait, il a la haine contre moi. On dirait qu'il veut me défoncer. Bref. Je ne devrais pas attirer plus d'attention sur moi-même. Si l'organisation savent que je suis ici, je pourrais mettre en danger Mayuri et tous ces ignorants et tous ces ignorants. Donc je laisse Maclis Kuris me conduire en dehors de cette conférence. Et c'est ce que quelques quoi que ce soit, et sois sûr que le monde saura. Et qu'est-ce que votre supérieur souhaite me dire? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle me regarde. Et elle est plutôt mignonne. Mais il n'y a pas d'innocence dans son regard. Une magnifique agent. Immatchable, comment dire. Incomparable. Mon cœur va très vite. Mon cœur va très vite. On dirait que le chaos. Comment dire. Fait surcouler beaucoup très vite mon sang. J'ai juste besoin de te poser, de te demander quelque chose. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais répondre? Je sais comment l'organisation opère. Qu'est-ce que c'est que ce délire avec l'organisation? Au lieu de répondre, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai mis à mon oreille. C'est moi. J'ai été capturé par un agent d'une organisation. Oui, c'est Makise Kurisu. C'est quelqu'un de dangereux. Ah non. Non, ça va. J'ai trouvé un moyen de... Elle est un peu énervée. Du coup, elle a pris mon téléphone. Quel skill? J'ai même pas eu le temps de réagir. Quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Ton téléphone est éteint. Il doit sentir con. À qui tu est-ce que tu étais en train de parler? Son regard a percé mon âme. J'ai regardé ailleurs. Moi, ça veut dire qu'il est un peu tombé amoureux, je pense. Hein, concrètement, elle est forte. Elle essaie d'attaquer mes sens d'identité pour me provoquer, hein, pour me casser mentalement. Rétablis-toi, ça n'est pas suffisant pour m'avoir. Ta technique ne marchera pas sur moi. Mais je vais te le dire, c'est pas un téléphone ordinaire. C'est designé pour se désactiver au moment où ça quitte ma main. Ce genre de mesure est nécessaire pour maintenir le secret. Je connais les choses qui peuvent me tuer.
qui peuvent faire en sorte que ça me tue, quoi, on va dire. Je reprends du coup mon téléphone. C'était serré. Alors, tu étais en train de parler à toi-même. C'est, oh non, ça c'est pas, c'est nul. Les méthodes normales ne fonctionnent pas sur Maki Sekreise, la fille génie. Dans un autre sens, psychologiquement, elle me met au bout, un truc comme ça. Bon, je crois bien que... Merde, je crois bien que je vais devoir faire un retrait stratégique. Je pouvais juste trouver une ouverture. Du coup, il y a Maclis... Chris s'approche avec une expression sérieuse. Elle me regarde avec ses yeux tellement avec beaucoup de force de volonté. Quelle flamme, je ne peux pas regarder ailleurs. Est-ce que quelqu'un avec des yeux si purs peut vraiment être un agent de l'organisation? What? Qu'est-ce que tu étais en train de me dire plus tôt? Plutôt? Qu'est-ce que tu veux dire? Environ 15 minutes avant que la conférence commence. Ça n'a pas de sens. C'est la première fois qu'on se voit. J'étais avec Mayuri et le jouet Oupa là il y a 15 minutes. Tu essayais de me dire quelque chose. C'est pas vrai? Tu m'as l'air d'être énervé. Est-ce un piège? On dirait une tactique de l'organisation. Mais est-ce que cette fille ferait quelque chose je sais pas comment dire. On dirait que tu étais sur le point de pleurer. Bon, concrètement, pour ceux qui ont vu l'anime, on sait de quoi elle parle. Mais faisons les innocents. Et comme là, on sait pas trop, voilà, ce qui se passe. Pourquoi? Est-ce qu'on s'est déjà rencontré avant? Elle avait l'air d'être sincère. C'est ce qui la rend encore plus suspicieuse. C'est vrai. Ne laisse pas sa beauté te corrompre. C'est une personne froide et très calculatrice. Un agent secret, quoi. Si je montre ma faiblesse, j'en suis fini. Et comment tu connais mon prénom? Mes connaissances n'ont pas de limite. Je suis le mad scientist, après tout. Et génie, la fille génie. Notre prochaine rencontre, nous serons ennemis. Hein? Très bien! Ok. Donc je me tourne et je m'en vais en courant, même si elle me disait stop, comme si j'allais écouter l'ennemi. Très bien. Purée! L'organisation, ils doivent être sérieux s'ils envoient un agent comme elle. Alors juste un instant, je vais me chercher de la bouffe, j'ai faim. J'ai faim, je reviens tout de suite.
on va continuer. Donc du coup, il a couru tout en bas des escaliers jusqu'au quatrième. Il a regardé derrière pour être sûr que Chris ne la suit pas. Ensuite, je respire quoi. Mais je peux pas les laisser me capturer encore. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais? Ma mission était de se rendre à la conférence du docteur Nakabashi et d'évaluer sa en gros ce qu'il dit quoi. Mais maintenant je sais que ce mec est un mensonge, il n'y a aucune raison que j'y retourne. C'est même un connard. Connard. Bon, je pense que je vais juste rentrer. Rentrer à la maison. Ah, on a bien ça. Et ça disparaît. Ah, c'est bien pour prendre les screens, ça. Mais attendez. Est-ce que nous aurions pas oublié quelque chose d'important? Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Putain! J'ai laissé Mayuri derrière! Oh le mec! Je n'aurais pas dû la ramener ici. J'étais censé prendre soin d'elle et. Mais j'ai oublié. Je vais tout d'abord l'appeler. Si elle va bien, je vais juste lui dire de venir ici. En disant ça, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai mis, je l'ai allumé. Ah! Ça a sonné. Ah, un email. C'est pas un mail ordinaire, il y a une vidéo. Et ça a été envoyé via une adresse bizarre. Donc j'ouvre le fichier. Hein? Je crois que ça va commencer à devenir intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a rien, mais seulement du bruit. Est-ce que c'est une blague ou bien une attaque de Clisseux? Peut-être que le bruit c'est un genre de truc de fréquence qui rend les gens fous. Non, attendez. Je ne me souviens pas de lui avoir donné mon adresse mail. Peut-être que je vais trop loin dans ma tête. Bon, je ressaisis mon esprit et... je lance la vidéo. Ah. Donc j'ai arrêté la vidéo et appelé Mayuri. Mayuri, pourquoi tu ne réponds pas? Bon bah on dirait que je vais devoir retourner dans le hall de la conférence. Mais ça va devenir compliqué si je rencontre Chris again de nouveau. Attends. Me dites pas que cette femme fatale a capturé Mayuri. Merde. C'est comme ça que l'organisation fonctionne. Quitter sans maillot n'est pas une option. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est quand même une petite sœur pour moi. Il y a un vrai réel danger si elle est en dehors de ma champ de vision, quoi, en gros.
Mais elle a toujours été comme ça. Je ne sais jamais si en tournant mon regard, elle serait toujours là. Dans un sens, c'est pour ça que je suis devenu Uin Kyoma. Je dois retourner pour elle. Je dois retourner là-bas pour elle. Le fait de penser à remonter 8 étages est déprimant, mais je n'ai pas le choix. Quand j'y suis retourné dans la salle, la conférence venait de se finir. Plus personne n'est sur le strade. Et l'inventeur de téléphone a quitté la. Est déjà parti. Et également la vingtaine de personnes est en train de partir. Et enfin, je trouve bientôt Mayuri. Elle est dans le coin. Berre perdu. Bon, comme d'habitude, hein, on dirait, mais. Bon. Au moins, elle n'a pas été kidnappée. Même mieux. Je ne vois pas Chris quelque. Où que ce soit. Mais non, mais. Mais le truc, c'est que. Je sais à quoi tu penses. Mais on va. On la sauvera. D'accord? Vraiment. Voilà. Nous allons continuer. On va le défoncer, ce connard. Imagine, on arrive à le. Non, je pense pas. Même mieux, je ne vois pas Clisse quelque part. On dirait que. Je lui ai fait peur. Qu'il en soit ainsi. Je la laisse partir cette fois-ci. Mais je vais vers Mayuri. Oh my god. Wow. Trop stylé. Mayuri, pourquoi tu n'as pas répondu? Nous étions en train de partir. Enfin, nous devons partir. Okari. Hein? Mon métal pas c'est perdu. L'air toute triste. Il s'est perdu quoi? Il est en vie? C'est un peu dur à croire. Non, je pense que je l'ai fait tomber. Je vois. Alors c'est pour ça qu'elle le cherchait en fait. Bref, peu importe. Oublie-le. Tu pourras en avoir un autre. Non, impossible. Métal ou pas. Ça se vend 10 000 yens en ligne, tu le sais ça? Non. Quoi? Ce jouet valait tant. Pense Mayuri, où est-ce que tu l'as fait tomber? Alors pour Shukin qui vient d'arriver, là actuellement je stream pas du LOL. Mais Steingate, je sais pas si tu connais, mais c'est. C'est un anime et là nous on joue au jeu là. Et voilà. Je streamerai peut-être du LOL plus tard, mais actuellement je suis sur ce truc. Et c'est vraiment un anime que je conseille, hein. Si tu ne l'as jamais vu, je te le conseille vraiment. Et sinon on va continuer. Essaye de suivre. Voilà. Je sais pas. C'est pour ça que je le cherche. Et puis, même si on le retrouve, tu le revends pas, d'accord? J'aime bien le. C'est 10 000 yuans. Bon, comment dire? Bon,
En gros, ça va financer ses recherches. Tu ne peux pas le... J'ai dit que tu ne pouvais pas le vendre. Il y a même le nom de Mayushi dessus. C'est ainsi qu'on a commencé à chercher le métal ou pas. Non. Ah, c'était trop mignon. Oupa-san, sors. Sors où que tu sois. Mayuri l'appelle par le nom. Je sais pas si elle attendait vraiment à ce que qu'il y ait une réponse. Et Toutoulou, c'est un peu la petite phrase de Mayuri à elle. Ça veut dire j'ai jamais demandé ce que ça voulait dire. Enfin bref, nous ne trouvons pas le métal pas. Peut-être qu'elle l'a pas fait tomber ici, mais au 7ème étage, près de la machine, près du distributeur de jouets là. Une autre possibilité, c'est que quelqu'un l'a piqué en gros. Non, comme imaginant là, la tête de cette personne. Quel genre de personne volerait une fille sans défense? Il n'y a rien dans son cœur et uniquement de l'envie pour l'argent. On dirait toi, Okaline. Waouh. Ce n'était pas attendu via de la part de Mayuri. Là, c'était la violence gratuite. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh non. J'espère que t'es prête. Est-ce que tu es prête? Je pense avoir entendu ce bruit. Il reste très peu de monde, juste le présentateur et quelques personnes. Incluant moi et Mayuri, il y a moins de la moitié des audiences qui restent. Tout le monde se regarde l'un les autres et... de manière anxieuse et troublée par le cri. Même moi, j'étais un peu troublé en gros. Tout d'abord l'explosion tout au-dessus et maintenant ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mayuri me fait comment dire? En gros, elle touche la main. Mayuri, Koroniro. Reste là, Mayuri. Je respire un grand coup, je me prépare à moi-même et je vais dans la direction où il y a eu le cri. L'écho venait d'ici, dans le noir, un endroit bien sombre, sur le même étage. Je suis sûr que ça venait par là. Donc là, j'écoutais attentivement pour voir si le bruit venait de là. Et au bout du passage, je vois. Il y a quelque chose par terre. Ah non, c'est quelqu'un. Bon. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va pas arrêter le jeu là, ça serait triste. On va pas arrêter le jeu là. J'étais immobilisé. Mais qui est-ce? Les habits sont familiers.
Ça ne peut pas être. Non. Glisse. Son visage est tourné, mais je sais que c'est elle. La fille génie contre qui je me suis battu il y a 10 minutes. Et maintenant, face à terre. Et qui baigne dans du sang. Elle est morte. Oh my god. Non. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Soudain, je réalise que je tremble. Je réalise que je tremble. J'aimerais courir. M'en aller d'ici. Je n'aurais jamais dû venir ici. C'est pas possible. C'est pas bon. Quelqu'un a tué Maclis Chris. Et il n'y a pas d'autre explication. Mais qui voudrait faire ça? Il n'y a personne d'autre ici. Le présentateur. J'étais sous choc. D'autres personnes m'avaient suivi. Ils étaient tous pâles. Ils ont dû tous voir le corps. Ah, c'est la tristesse. Là, c'est la tristesse. Concrètement, c'est la tristesse. Appelez la police! Ah, bah, un mec qui a crié. Dans la panique et tout le monde a commencé à crier et courir partout. Je les ai suivis, bien sûr. Il n'y avait aucune raison de rester ici. Concernant Maclis, c'est triste. Hein. Du coup, quand je suis retourné dans le hall, il y a Mayuri qui m'attendait avec les larmes aux yeux. Que s'est-il passé, Okaline? Nous en allons. Je saisis la main de Mayuri et j'ai couru. Bon, nous allons faire une petite pause ici. Nous allons faire une petite pause et nous allons continuer la prochaine fois. Cette partie sera probablement uploadée sur YouTube. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.